Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le pantalon? Oui. Le change est un acte que vous effectuez plusieurs fois par jour avec votre bébé. Il peut être l'occasion d'échanges riches et agréables avec lui, d'opportunités de le stimuler dans une situation qui fait déjà partie de votre quotidien. Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est bien ça. Ça te plaît? Oh oui, c'est bon ça. C'est bon. Pour aider votre bébé à explorer au mieux le monde qui l'entoure et les stimulations qu'il lui apporte, la façon dont vous le portez et le positionnez est essentielle. Notamment, on enlève le pull. Pour se sentir rassuré, pour stimuler le tonus de son cou et de son dos. Ayez toujours une main au niveau de la base, passez-le sur le côté pour le mettre sur la table allongée ou pour le reprendre. Un passage sur le ventre avec le sourire est nécessaire à chaque change. Merci. Voilà. Attention la tête. Hop là. Voilà. Aussi, il est important que vous lui parliez, que vous commentiez pour lui ce que vous faites. Cela l'aidera petit à petit à mieux comprendre le langage qu'il entend et à apprendre de nouveaux mots. En effet, même si votre bébé ne parle pas encore, il comprend déjà beaucoup de choses et prépare l'arrivée de ses premiers mots. Tu me donnes ta main? Tu me donnes ta main? Hop, on prend cette main. On tire, on tire, on tire. Voilà. Et la tête. Voilà. Super. Lui présenter un objet qui l'intéresse beaucoup peut l'encourager à tenter de nouvelles expériences motrices et à fournir des efforts pour l'obtenir, même quand cela est encore un peu difficile pour lui. Ainsi, présenter sur le côté peut l'aider à se retourner, par en dessous à se redresser s'il est sur le ventre, etc. C'est bien, c'est bien. Quand vous agitez un jouet devant lui et lui tendez pour qu'il l'attrape, vous lui apprenez à suivre du regard un objet et donc à mieux explorer visuellement son environnement. Coordonner les mouvements de ses yeux et de ses mains, développer la motricité de ses bras et de ses mains. Voilà, voilà, la petite couche, on en met une autre. Oui, super, c'est bien. C'est de la musique. On met ton body, hop. Voilà. Tu nous donnes ta main. Oui, elle est là, bravo. Et l'autre main. Et la petite bête. Les jeux de coucou caché, de chatouille sont de formidables occasions de lui apprendre où sont ses pieds et ses jambes, que ce soit vous qui les touchiez ou lui qui les attrape. À vous regarder quand vous lui parlez, à prendre du plaisir dans les interactions, à anticiper ce qui va arriver ensuite, que vous continuez à exister même s'il ne vous voit plus et qu'il peut vous retrouver ensuite. Ce sont des compétences importantes pour développer le langage. On va mettre le body, le pantalon, le pantalon, il est là. Voilà. Regarde, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le cache? On le cache? Oh, il est là. Il est caché. Alors Balthazar, oh, regarde, il y a un autre jeu. Il est bien celui-là. N'hésitez pas à attirer son attention sur les objets qui sont autour de vous, les bruits que vous pourriez entendre, les sensations qu'il peut ressentir. Tu as entendu la moto? Tu as froid? Attention, c'est mouillé. Regarde le miroir, c'est toi qu'on voit dedans. Il est là. Coucou! Coucou, c'est qui? C'est Balthazar! Avec le jeu, regarde! Tu le veux? Oui, tu le regardes? Hop! Qu'est-ce qu'on fait? On se met ainsi, on va mettre ton pull! Hop, on va se mettre ton pull! Il est où ton pull? Il est là! Oh, t'es grand! Oui! Et l'autre main! Ici, super. Oh, bravo, on a tout mis. Bravo. On fait bravo? Bravo Balthazar. On a tout fini. On a tout mis, c'est bien. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt Balthazar.
À bientôt. On va se coucher. Au revoir.